c'était très important d'être ressemblant. Avec les ricains? Oh, vous étiez foutu à la porte, hein, si c'était pas ressemblant. Ah, il n'en voulait pas, hein. À partir du moment où l'affiche a cessé d'être un tirage lithographique, mais est devenue un tirage offset, le maquettiste est rentré en scène. Et très souvent, l'affiche moderne de cinéma, c'est une combinaison de photos extraites du film. Vous regardiez le film avant ? De faire l'affiche? Non. J'ai jamais vu le film de Autant en emporte le vent. Vous imaginiez tout comme ça, oh, en fonction de ce que oh, vous avez il y avait dit? Des photos, hein. Oui. Ah oui. Des photos, il m'expliquait comment ça marchait, enfin. Et puis après, ben, fallait faire les croquis. En fait, les Américains qui ont donné l'exemple pendant très longtemps, c'est vrai, et qui ont imposé une école, maintenant, le mouvement se renverse un petit peu. Et c'est vrai que récemment encore, un cinéaste américain, Peter Yates, pour ne pas le nommer, faisait part de son envie très juste, s'il pouvait contrer un petit peu le système des grosses compagnies, puisque malheureusement ce sont des films produits par des grosses compagnies, essayer de venir chercher en Europe des idées d'affiches. Thank you.